Bonsoir à tous, c'est déjà la troisième nuit des désabusés. Et pour cette troisième nuit, nous allons nous attaquer à un chef-d'œuvre du genre dans la série des livres dont vous êtes le héros. Et il s'agit de City of Thieves, la cité des voleurs. J'y ai joué euh, à sa sortie. Je crois qu'il s'est sorti en 83 ou 84 et ça a été traduit dans la foulée. Et j'y ai joué à ce moment-là. Et autant le manoir de l'enfer est mon aventure préférée niveau horreur, autant question medieval fantasy, c'est City of Thieves, de très très loin, parce que l'univers est assez vaste, bien planté, assez drôle, particulièrement cruel pour le joueur, et avec des twists, des rebondissements qu'on ne trouve pas dans les autres, dans les autres livres. Et euh, c'est une belle aventure qui nous attend. Alors on va avoir un setup un peu différent de la dernière fois. Euh, évidemment on va avoir le texte en français, mais on va utiliser euh, un logiciel à l'écran, un logiciel que vous pourrez trouver euh, sur Steam hein, sans problème, qui nous permet de jouer à la version numérique, à la version digitale euh, de ce livre dont vous êtes le héros, euh, en anglais malheureusement euh, uniquement. Mais ça va nous permettre de pouvoir projeter en grand les illustrations de l'époque et puis ça va nous permettre aussi d'utiliser le système digitalisé à commencer par les jets de dés et les combats qui vont de ce fait être plus rapides plus péchus je me souviens un petit peu du cheminement et de l'histoire mais euh, avec des blancs <laughs> avec des trous donc on va essayer de voilà de faire au mieux <laughs> et de pas trop mourir mais ça va être assez compliqué comme on va le voir dans quelques instants alors donc on va lancer le logiciel et voilà. Alors vous voyez comment ça va se passer. On va demander euh, dans les options, je vais me choisir, voilà, Vernon s'est déjà rentré, mais je vais me choisir un petit portrait qui apparaîtra sur la fiche de héros, la fiche de jeu. Alors ça aussi c'est très intéressant, voilà, parfait, parce que euh, on pourrait la faire apparaître euh, comme on veut et donc euh, surveiller nos statistiques et notre inventaire. Ok, et ben, on va pouvoir euh, démarrer. Alors, on va tourner les pages. Ici, on va choisir un petit peu si on va jouer comme à l'époque, en mode normal, si on va jouer en mode hardcore, ou si on va jouer en ce qu'ils appellent free raid, en lecture libre, ce qui va nous permettre de tricher un petit peu. Alors vraiment, vraiment un petit peu, hein. Vraiment un petit peu. Parce qu'on va pouvoir revenir d'un écran en arrière, si on s'est trompé à un moment. On va pouvoir passer, mais ça on veut pas le faire on va pouvoir passer un obstacle. S'il nous manque un objet, ou si euh, bah, euh, voilà, c'était impossible de passer normalement ce point d'histoire, eh bien, on pourrait le passer quand même. Bon, ça, vraiment, on va essayer de ne pas l'utiliser. D'ailleurs, euh, que ce soit le retour en arrière, ou que ce soit le, le choix libre, ou que ce soit la possibilité de se soigner à n'importe quel moment, euh, on, on va choisir ce mode, mais vraiment, on va essayer de tenir le plus longtemps. Voire, de on va essayer de faire tout le jeu, euh, sans s'en servir. Ça ça serait vraiment euh, ça serait vraiment pas mal. Donc on va tourner encore et euh, donc eh bien voilà, euh, c'est ce mode là qu'on va choisir de toute façon. Donc c'est réglé. Donc on va avoir besoin de calculer notre énergie, notre endurance de départ. Donc on va lancer le dé euh, pour stamina et on va voir un petit peu le calcul final. Voilà, les dés sont lancés, 9 9, plus une base de 12, ça va nous faire, donc, une vie, hein, grosso modo, euh, de 21. Ce qui est un bon score pour commencer, donc on va l'utiliser. On n'a pas besoin de recalculer, c'est évidemment très important pour survivre dans le jeu. Ensuite, donc, on va déterminer, maintenant, notre habileté. Et ça aussi, ça va être très très important dans des situations de crise. Donc, on lance le dé, Ouais, 2, c'est pas terrible. 2, plus une base de 6, 8. Alors dans le jeu, il y a des moyens d'améliorer euh, cette habileté. Mais euh, oui, c'est pas terrible, terrible. Hein. Bon, on aurait bien voulu un peu plus. Et là, pour l'instant, on ne peut pas encore revenir en arrière pour recalculer. C'est dommage. La chance. Bon, alors là aussi, la chance est très important. Euh, on peut se sortir de plein de situations en utilisant la chance. Donc vraiment, euh, il faut absolument essayer d'avoir le jet le plus élevé, mais bon, c'est pas moi qui décide. 4, bon, allez. Plus la base de 6, ça nous met à 10. C'est pas mal du tout. Je vais choisir maintenant la potion qui va m'accompagner. Alors, je peux choisir soit la potion d'habileté, soit la potion de force, soit la potion de, de chance. Bon. alors, toutes les trois peuvent être importantes, mais là, au tirage au sort, euh, c'est l'habileté qui a pris cher, d'accord C'est ma statistique la plus faible. Donc, c'est clairement celle-là qu'il faudra que je remonte euh, de manière permanente. Surtout si elle a déjà baissé suite à certains échecs euh, pendant l'aventure. Donc, je vais la choisir. Voilà. Ah ouais, ok. Voilà. Alors, eh ben c'est fait. Je choisis mon équipement. Donc, voilà, on a une épée. Un, un bouclier, bien sûr. Une armure de cuir. Et un sac à dos qui contient des provisions. Ces provisions, je pourrais puiser dedans pour regagner des points de vie. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Allez. On y va. Que les dieux soient avec moi. Pas de soucis. Et on va commencer à voir la version en français. Les terribles messagers de Zambarbo. Vous êtes un aventurier dans un univers de monstres et de magie, où vous survivez grâce à votre présence d'esprit et votre habileté à manier l'épée. Vous gagnez votre or en tant que soldat mercenaire, en général au service de riches nobles et barons, qui vous confient des missions trop dangereuses pour leurs propres hommes. En quête de quelque fabuleux trésor, vous terrassez des monstres et des bêtes terrifiantes, et c'est devenu pour vous une seconde nature, Expérimenté et suprêmement habile dans le maniement de l'épée, vous ne laissez aucun obstacle se mettre en travers de votre chemin durant vos quêtes. Vous réussissez toujours chacune de vos missions et votre réputation s'est répandue dans tous les pays. Lorsque vous arrivez dans un village ou dans une ville, la nouvelle circule parmi les citoyens comme une traînée de poudre, car bien peu d'entre eux ont jamais rencontré un pourfendeur de dragons. Un soir, après une longue marche en terre étrangère, vous arrivez à Silverton, qui se trouve au carrefour des principaux axes commerciaux dans ces régions. On voit souvent de grands chariots en bois tirés par des attelages de bœufs traverser lentement la ville, chargés d'herbes, d'épices, de soie, d'articles de quincaillerie et de nourritures exotiques en provenance de lointains pays. Au long des années, Silverton a prospéré, car les riches marchands et commerçants en route pour des marchés éloignés y font étape. Son opulence saute aux yeux, avec ses constructions élaborées et ses habitants vêtus de somptueux habits. Mais lorsque vous franchissez les portes de la ville, vous êtes frappé par une atmosphère qui ne vous paraît pas tout à fait normale. Les gens ont l'air nerveux et sur leur garde, vous remarquez ensuite que toutes les fenêtres des maisons sont munies de lourdes grilles en fer et que les portes également ont été renforcées. Bien que vous préfériez votre propre compagnie à celle des autres, vous décidez de passer la nuit à Silverton pour découvrir ce qui préoccupe ainsi les gens. Alors que vous remontez la rue principale, une cloche, dans une haute tour devant vous, lance une note unique. Puis un homme crie d'une voix presque désespérée. La nuit tombe. La nuit tombe. Que tout le monde rentre chez soi. Vous voyez les passants se hâter, le visage anxieux, et ils semblent surpris lorsqu'ils vous voient. De l'autre côté de la rue, vous repérez une taverne à l'enseigne du vieux crapaud. Vous entrez dans la taverne, et un chuchotement se fait entendre parmi les autochtones quand ils vous reconnaissent. Certains posent leur chope et vous dévisagent. Vous êtes quelque peu surpris, qu aucun d'entre eux ne s'approche de vous pour entendre vos récits d'aventure. Vous dirigeant vers le comptoir, vous demandez au vieil aubergiste une chambre et un bain. Mais il ne vous prête aucune attention, et d'un pas traînant, il va vers la grande porte de chêne et pousse les six gros verrous de fer. Alors seulement il se tourne vers vous et déclare à mi-voix. Cela fera cinq pièces en cuivre pour la chambre, plus une pour le bain. Payable d'avance, je vous prie. Vous prenez les pièces dans une bourse en cuir pendue à votre ceinture et vous les jetez sur le comptoir. Il vous tend une clé en fer, mais à ce moment précis, on frappe bruyamment à la porte et une voix vocifère Ouvrez Ouvrez C'est Owen Caralif. Le vieil aubergiste se dirige de nouveau vers la porte de chêne et tire les verrous. Un gros homme au crâne dégarni vêtu d'une riche tunique écarlate, fait alors irruption dans la taverne, jetant, alentour, des regards affolés. Il vous voit, et se dirige vivement vers vous, en soufflant comme un phoque. C'est un homme qui n'a certainement pas l'habitude de se dépêcher. Vous remarquez à la pâle lueur des bougies qui éclairent la pièce, les grosses gouttes de sueur qui perlent à son front. Une fois près de vous, il lance d'une voix pressante. Étranger, il faut que je vous parle. Asseyez-vous, je vous prie. Il est de la plus haute importance que je vous parle. Lorsqu'il se tourne vers l'aubergiste pour, d'un claquement de doigts, commander à boire et à manger, vous pouvez voir que, manifestement, cet homme occupe une position élevée dans la ville, mais son visage exprime angoisse et chagrin. Étant de nature curieuse, vous décidez d'écouter ce qu'il a à vous dire. Il écarte une chaise pour vous, à une table, vous invitant à vous asseoir. Et l'aubergiste, empressé, apporte sur un plateau du bouillon chaud, de l'oie rôtie et de l'hydromel. L'homme, en tunique écarlate, s'assoit en face de vous, sans maudire, et assiste à votre festin, tout en vous examinant avec soin, comme s'il nourrissait à votre égard un dessein particulier. Pour finir, quand vous repoussez votre assiette, l'homme se penche vers vous et déclare, d'une voix basse et anxieuse. Étranger, je sais qui vous êtes, et je vous demande votre aide. Je m'appelle Owen Caralif, et je suis le maire de Silverton. Nous avons de graves ennuis, et nous sommes en danger. Nous sommes victimes d'une malédiction, et c'est à moi qu'il incombe de nous en débarrasser. Il y a dix jours, deux messagers de malheur sont arrivés en ville, montés sur de gigantesques étalons noirs, des étalons aux yeux rouges, flamboyants. On ne pouvait voir le visage des cavaliers car ils portaient de longues capes noires dont le capuchon était rabattu en avant. Ils s'exprimaient d'une voix glacée et chaque mot qu'ils prononçaient se terminait par un sifflement inquiétant. Ils m'ont demandé par mon nom et lorsque je suis venu les accueillir, ils m'ont annoncé qu'ils venaient chercher ma fille bien aimée Mirelle pour la conduire à leur maître Zambarbone. « Vous savez sans aucun doute que c'est le prince de la nuit. » J'ai refusé, bien entendu, d'accéder à leur demande, et sans prononcer un autre mot, ils ont fait demi-tour et sont sortis lentement de la ville, la tête basse et le dos rond. J'ai compris alors que, sous leur cape, se cachaient les corps squelettiques et sans âme des chasseurs d'esprit. « Zambarbone les utilise toujours comme messagers et ils accomplissent leur mission ou meurent en essayant. » et ils ne meurent pas facilement. Seule une flèche d'argent, en plein cœur, peut délivrer ces êtres malfaisants de leur existence crépusculaire. Qui sait ce qu'il faudrait pour tuer Zandbarbonne? En tout cas, cette nuit là, après le départ des Chasseurs d'esprits, nos ennuis ont commencé. Le prince de la nuit furieux était bien décidé à nous nuire. Six chiens de lune sont arrivés, chacun d'eux plus puissant que quatre hommes, avec des crocs tranchants comme des rasoirs. Ils ont rôdé dans toute la ville, sont entrés dans les maisons par les fenêtres ouvertes et ont tué les pauvres gens qui y habitaient. Au matin, nous avons compté 23 morts. Nous avons donc barricadé nos fenêtres et nos portes, mais pourtant, les chiens de lune reviennent chaque nuit, et nous n'arrivons pas à trouver le sommeil craignant qu'ils ne réussissent à pénétrer dans nos maisons, certains parlent maintenant d'envoyer Mirel à Zambarbone. Ces traîtres larmoyants, je devrais les faire fouetter! Mais à quoi cela servirait-il? Il ne reste qu'un seul espoir, et c'est en vous qu'il repose, étranger. Il existe un homme appelé Nicodème, qui, pour des raisons que je ne comprendrai jamais, habite au port du Sable Noir. On appelle communément cet endroit la cité des voleurs, car tous les pirates, brigands, Assassins, détrousseurs et malfaiteurs vivant à des centaines de kilomètres à la ronde y ont élu domicile. Je crois qu'il vit là-bas uniquement pour que les gens de notre espèce le laissent un peu en paix. C'est un vieux sorcier, plein de sagesse, et il ne risque pas grand-chose, même au port du Sable Noir, car ses pouvoirs magiques sont immenses. Lui seul est capable de vaincre Zanbarbaon. C'était mon ami il y a de nombreuses années de cela. Nous avons besoin de lui, et je vous supplie d'aller le chercher et de nous l'amener, car personne ici n'ose se hasarder au port du Sable Noir. Vous recevrez une belle récompense, si vous nous aidez étrangers. Prenez ces trente pièces d'or pour votre voyage et cette épée pour vous défendre. Owen Caralif se lève alors et écarte sa tunique écarlate, laissant apparaître la plus belle épée à deux tranchants que vous ayez jamais vue. Il vous l'attend, et lorsque vous touchez le fil de la lame, vous êtes surpris de voir une petite goutte de sang perler à votre doigt. Vous examinez alors les serpents dorés, merveilleusement sculptés, qui s'enroulent autour de la poignée. Jamais de votre vie vous n'avez désiré aussi ardemment un objet. Vous vous levez et vous tendez votre main, droite à Owen il la secoue énergiquement en disant Il vous faudra partir aux premières lueurs de l'aube. Les chiens de lune auront alors disparu. Je vais être forcé de passer la nuit ici, moi aussi. Profitons en pour boire à notre destin. Et puissent les dieux nous être favorables. Durant l'heure qui suit, Owen parle de votre voyage à venir, expliquant en détail comment arriver au port du Sable Noir. Plus tard, vous prenez votre sac à dos et vos fourrures. Et vous montez l'escalier en bois jusqu'à votre chambre. Vous dormez d'un sommeil agité, malgré le sentiment de sécurité que vous procure l'épée. Car vous êtes plus d'une fois réveillé par les chiens de lune qui rôdent au dehors en hurlant et qui grattent et reniflent aux portes. L'aube vous trouve déjà levé et habillé, et bien décidé à atteindre rapidement le port du Sable Noir pour aller voir cet homme. Lorsque vous quittez la taverne, un chat noir vous file entre les jambes et manque de vous faire trébucher. Un mauvais présage peut-être. Et maintenant, tournez la page. Eh bien nous allons commencer l'aventure proprement dite et enfin accéder aux documents dont nous avons besoin et arriver aux portes. Justement du port du sable noir que nous, a, nous voyons déjà ici. On va faire apparaître le menu et qu'est-ce que nous avons eh bien, nous avons notre feuille, ici, voilà, de jeu, avec nos points, tels qu'ils sont euh, maintenant et qui vont évoluer euh, au fil de, de nos actions. Notre équipement, notre potion d'habileté qui est là, nos provisions, x10 pour nous soigner. Et nous avons pour l'instant 30 pièces d'or, mais il y a pas mal de moyens de se faire de l'argent. Donc voilà les trois choses supplémentaires que nous pouvons utiliser. Revenir en arrière d'une page, seulement d'une page, euh, le libre choix pour pouvoir passer en force et pouvoir se soigner à n'importe quel moment. Et puis, nous avons, nous avons une carte, voilà, et ici, et eh bien voilà, on commence en bas, à la porte d'entrée, et après, eh ben, nous avons des chemins euh, qu'on verra plus tard, on aura l'occasion de s'y référer régulièrement. Pour gagner le port du sable noir, vous parcourez en direction de l'ouest environ 75 km à travers des plaines et par-delà des collines, sans faire de rencontres fâcheuses, heureusement. Vous finissez par atteindre la côte et vous apercevez les hautes les hautes murailles qui entourent le port du sable noir et le groupe de maisons serrées qui avancent dans la mer comme une hideuse excroissance noire. Des navires mouillés dans le port et de la fumée s'élèvent doucement des cheminées. La scène paraît assez paisible, et c'est seulement lorsque le vent change, vous apportant une odeur de putréfaction, que vous vous rappelez la nature maléfique de cet endroit tristement célèbre. En suivant la route poussiéreuse qui longe la côte vers le nord, pour arriver aux portes de la ville, vous commencez à remarquer des signes inquiétants, des crânes sur des épieux de bois, des êtres squelettiques dans des cages accrochées aux murailles de la ville, des drapeaux noirs partout. Lorsque vous vous approchez de la porte principale, vous sentez un frisson vous parcourir, l'échine, et instinctivement, vous serrez la poignée de votre épée pour vous rassurer. À la porte, vous devez affronter un garde gigantesque en cote de maille noire et casque d'acier. Il avance d'un pas, vous barrant le chemin avec sa lance en disant. Qui oserait entrer au port du sable noir sans y être invité Précise le motif de ta venue ou retourne d'où tu viens. Alors, est-ce que je vais lui dire que je veux être accueilli auprès de Nicodème, euh, qui est censé être un gentil sorcier, qui doit nous aider Ce n'est pas sûr que ce soit euh, la meilleure idée. Euh, lui dire euh, ensuite quoi Que je veux vendre... Euh, que je veux vendre des marchandises volées. Et oui, lui dire que vous désirez vendre un butin volé. Ça, ça serait un moyen de faire des économies. Euh, L'attaquer aussitôt avec votre épée. Euh, non, parce que si on commence déjà à se friter à l'entrée, euh, on va être poursuivi par les gardes ensuite, et on ne pourra aller nulle part. Il faudra qu'on va échouer dès le départ. Bon, moi, je vais lui dire que je viens vendre euh, de la marchandise volée pour me fondre dans le décor. Voilà, et on va aller au 33. Vous déclarez au garde que vous désirez vendre quelques coupes en or, que vous avez volées dans une taverne de Silverton, et que vous lui donnerez une pièce d'or en paiement s'il vous indique où vous adresser pour obtenir le meilleur prix. Le garde vous considère d'un regard soupçonneux et dit Laissez-moi voir ces coupes dans votre sac à dos avant que je vous laisse entrer. Alors, est-ce que je vais lui dire que je sais que les coupes sont maudites et ne devraient être examinées que par un mage euh, Essayer de passer en force, me ruer au-delà du garde, dans la rue principale, ou encore l'attaquer. Ah bah écoutez, je vais essayer le bluff. Euh, je vais essayer de lui dire que les coupes sont maudites. Et on va au 381. Le garde fronce les sourcils et déclare. Une histoire à dormir debout, pas de doute. Mais je suppose que vous êtes exactement comme tous les autres dans cette ville. Vous pouvez entrer à vos risques et périls. Ou vous pouvez acheter mes conseils pour trois pièces d'or. Alors, est-ce que je rentre directement dans la ville ou est-ce que j'achète ces conseils Bon. Hum, ah, bah ben écoutez, j'ai pas mal de pièces d'or pour l'instant, donc je vais acheter ces conseils. On va voir ce que ça donne et nous allons euh, au 261. Cette cité est gouvernée par le seigneur Azur et c'est un homme redoutable. Quand vous présidez aux destinées d'habitants aussi indisciplinés que ceux du port du Sable Noir, vous vous devez d'être dur et il est impitoyable. Je dois vous avertir que si on vous trouve sans laisser passer, vous êtes mort. A votre place, je m'en procurerai un et vite. Il fait alors un large geste du bras et vous passez devant lui pour entrer dans la ville. Bon, eh bien, ça c'est fait. On va essayer de trouver ce fameux laisser-passer qui nous rendrait bien service par la suite. Le problème, euh, le problème c'est... Qu'il n'est pas facile à trouver du tout euh, ce, <laughs> ce passe. Donc, ça va être. Quand j'ai fait mes premiers repérages là, pour euh, faire fonctionner le jeu, euh, bah, je ne suis pas tombé euh, dessus. Donc, euh, bon, on va essayer de, de faire des choses que je n'ai pas faites les fois précédentes pour voir un petit peu ce que c'est. À travers les portes principales, vous constatez que les rues du port, pleines de détritus, sont étroites et pavées. Elles sont bordées de vieux bâtiments décrépits, tassés les uns contre les autres dont les étages supérieurs avancent dangereusement dans le vide. Alors, est-ce qu'on va partir vers l'ouest par la rue de la Clé? Partir vers le nord par la rue du Marché? Ou partir vers l'est par la rue de l'Horloge? Alors là, on va faire appel à notre plan. Puisqu'ici, euh, la rue du Marché, apparemment, c'est là. La rue de la Clé, elle est par là. Et alors... Euh, la rue de l'Est, alors... Par la rue de l'horloge. Ah bah écoutez, on va peut-être tenter, euh, peut tenter ça, alors, parce qu'apparemment, je ne l'ai pas euh, sur le plan. Alors que vous avancez dans la rue étroite, vous apercevez, assis dans le caniveau, un homme vêtu de haillons. Il se tient la tête à deux mains, et il a l'air tout à fait misérable. Si vous désirez vous arrêter pour lui parler, rendez-vous ici. Si vous préférez continuer à marcher, ben écoutez, euh, on va aller lui parler. Voilà, on va aller lui parler au oh, 331. Oh, et eh bien alors Eh bien, <laughs> nous allons avoir notre premier combat, puisqu'apparemment, ce brave homme, euh, ma foi, a l'air un petit peu agressif. <laughs> Il va falloir qu'on se défende. 331. Voilà. Le démon. Bon, apparemment, cet homme est démon. Eh bien, écoutez, euh, voilà, on va donc s'occuper de son cas. Comme vous vous approchez de l'homme, il se lève soudain d'un bond et se met à hurler à plein poumon. Puis il sort un poignard de dessous ses haillons et vous saute dessus. Il a le regard fou d'un démon ou d'un possédé, et vous devez l'affronter. Eh bien, nous allons lancer notre premier combat. Alors, eh bien, regardons les statistiques. Il a 5 de vie et il a 5 d'habileté. Donc, je lui suis euh, supérieur. Donc, euh, ça devrait se passer tranquillement. Lancé de dés. J'ai 18. Il a 12. Donc, évidemment, eh bien, je vais lui prendre des points. Je gagne et je lui prends des points de vie. Je pourrais utiliser la chance, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je relance les dés. 16 contre 15, c'est juste. Et je vais porter le coup de grâce, du moins je l'espère. 16 contre 8, et voilà. Et j'ai triomphé. L'option comme quoi j'ai gagné apparaît maintenant. Et on va au 86. Alors... Ah voilà notre premier combat, vous voyez, ça se passe vite, ça se passe bien, et voilà. Oh mon Dieu, on voit des choses, on voit des choses étranges. Je débête un petit peu trop haut tout à l'heure sur, sur, sur le présentoir, c'est pas grave. Je recalerai. La bourse en cuir pendue au cou de l'homme contient une petite boule de verre, où se trouve enfermée une sorte de fumée qui tourbillonne. Allez-vous fracasser la boule par terre, mettre la boule dans votre sac, abandonner la boule et continuer vers l'est hmm. Eh bien, on trouve souvent des objets qui nous sont utiles plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la boule dans le sac. Voilà. Et on va <laughs> au 194. Ça paraît un petit peu bizarre ce qu'on vient de trouver. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, on va en faire... Quelque chose. <laughs> à un moment peut-être. Donc euh, voilà. En tout cas, on l'a. Vous rangez avec précaution la boule de verre dans votre sac à dos. La fumée à l'intérieur semble se dissiper. Mais ce nouveau trésor vous inspire cependant une certaine appréhension. C'est vrai que ça a l'air un, un petit peu louche hein, quand même. Bien. Vous repartez ensuite en direction de l'Est. Et pour ça, nous allons... Au 161. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce nouveau chemin m'ait apporté euh, grand chose, mais sait-on jamais Sait-on jamais On aura peut-être une grosse surprise. Je vais aller voir si ce chemin est apparu sur ma carte. Oh oui, il est apparu ici. Eh bien, je pense qu'on va repartir vers le nord maintenant. Si on est revenu vers l'est, on va a priori venir, venir vers le nord ici, vers la rue de la Clé. Écoutez, on va voir ça. La rue tourne brusquement à gauche et continue en direction du nord, pour autant que vous puissiez en juger. Vous remarquez alors que, passé le tournant, les maisons sont beaucoup plus grandes, avec des portes d'entrée de près de 4 mètres de haut. Sur le côté gauche de la rue, vous constatez que la porte d'une des maisons est ouverte. Si vous désirez pénétrer dans la maison, allez là. Si vous préférez poursuivre vers le nord, rendez-vous au 280. Bien écoutez, on va aller voir ce qu'il y a à cet endroit-là, puisque je crois, que je ne sais plus du tout ce qui s'y trouve. Vous pénétrez dans une vaste pièce aux murs marron et au sol recouvert de paille. L'odeur de moisi qui flotte dans l'air vous rappelle les vieux trolls des cavernes malpropres qui habitent aux frontières septentrionales. Au milieu de la pièce, une table faite d'un demi-tonneau est entourée de tabourets grossièrement taillés. Une haute porte cintrée donne accès à l'arrière de la maison où vous entendez une voix murmurez doucement. Si vous voulez franchir la porte, rendez-vous ici. Si vous désirez quitter la maison et poursuivre vers le nord, rendez-vous au 282. Bon. Bah, je suppose qu'il y a peut-être un gros troll qui m'attend derrière. Hmm. On va aller vérifier ça et soyons aventureux ce matin. On y va, au 178. Hmm. Oh. Il me semble que c'est un ogre. C'est un ogre qui veut nous bouffer, il me semble, celui là. Mais bon, il a peut-être bouffé un marchand. Il a peut-être déjà dégusté du marchand qui aurait à laisser passer sur le sol. Ça m'intéresserait. La porte cintrée donne accès à une vaste pièce au milieu de laquelle est accroupi un être d'aspect humain, haut d'environ trois mètres. Il a l'air très inquiet et marmonne quelque chose pour lui même. Les protubérances sur son visage sont les marques distinctives d'un ogre. Allez-vous essayer de lui parler, l'attaquer avec votre épée ou quitter la maison et vous diriger vers le nord. Hmm, bon. S'il n'est pas trop agressif, on va peut-être essayer de lui parler. On va donc aller au 264. Allez hop. Avant que vous ayez pu prononcer un seul mot, l'ogre lance d'une voix de Stentor. Quelqu'un a volé toute ma nourriture Partageriez-vous la vôtre avec moi si vous désirez donner à l'ogre une partie de vos vivres, déduisez deux points de vos, provis de vos provisions sur votre feuille d'aventure et rendez-vous au 121. Bon. Eh ben, écoutez, on va être sympa. En espérant qu'il nous donne quelque chose qui nous aide. Allez, on va être sympa. Parce que j'ai beaucoup de nourriture, donc euh, voilà. Je partage. L'ogre dévore la nourriture en un temps record. Il se pourlèche ensuite les babines, puis se tourne vers vous et vous ordonne de sortir de chez lui. Si vous désirez obéir à cet ogre, ingrat, et quitter sa maison pour vous diriger vers le nord, rendez-vous au 282. Si vous préférez tirer votre épée pour lui donner une leçon, rendez-vous au 140. Eh ben, écoutez, euh, je vais l'affronter. Voilà, parce que ce matin, j'ai envie de donner des leçons euh, aux ogres, notamment. L'ogre ne semble pas impressionné par votre geste agressif et s'emparant d'un gros os pour s'en servir comme d'une arme, il avance pesamment vers vous. Vous êtes obligé de le combattre. Bon, ben allons-y, hein! Allez hop! Bon, il est un petit peu plus fort. 13 contre 15. Déjà, je me prends le premier coup. On continue. Égalité. Donc là, match nul, ça compte pas. 14-14. Ah oui, bah il est, il est costaud quand même. Hein. Mmh. C'est chaud. Oh là là Eh oh, mais comment ça se fait là Ah, ça y est quand même Je vais le blesser un petit peu. Bien. On continue. Oh là là Eh mais cet ogre... C'est un des ennemis les plus, euh, les plus difficiles du jeu euh, à cette étape. Je vais quand même réussir à l'avoir. J'espère que la récompense est à la hauteur. Ah là 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 là, 18 contre 11. Je continue à perdre des points de vie. Mmh, <laughs> c'est chaud. Eh, je vais finir par utiliser la chance. Hein. Oh non Ah si c'est bon. Ah je dois avoir moins que lui. Vous avez de la chance. Je prends un point de dommage en moins. J'ai regagné un petit peu de vie. Oh la vache. Le combat continue. Oh, là, 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 là. C'est l'un des combats les plus difficiles du jeu. Allez. On y arrive. Yes. Allez. Dernier coup. 17-13. C'est bon. J'ai triomphé. Ah bah dis donc. Ah bah dedans ça a été compliqué ce... Oh là là Pff, Allez, je vais euh, sortir ma fiche et je vais me remettre euh, avec les provisions puisque j'en ai encore beaucoup. Je vais les utiliser et je vais encore en utiliser une autre pour remonter ma vie. Voilà. Bon alors écoutez, j'espère qu'il y a des choses intéressantes. Hein. J'espère qu'il y a des choses intéressantes. Si je le bats, rendez-vous au 71. Allez, je veux du loot la chambre de l'ogre est encombrée de débris et de déchets de toutes sortes. Apparemment, elle n'a pas été nettoyée depuis des années. En cherchant dans le fouillis, vous trouvez une boîte en bois cirée avec une main en acre blanche incrustée dans le couvercle. La boîte est fermée à clé et vous n'arrivez pas à trouver la clé pour l'ouvrir. Si vous désirez l'éventrer avec votre épée, rendez-vous au 324. Si vous désirez quitter la maison pour continuer en direction du nord sans essayer d'ouvrir la boîte, rendez-vous au 282. Alors, je peux trouver une clé euh, plus tard, probablement, donc je ne vais pas l'éventrer euh, tout de suite. Je vais. Euh, Est-ce que je. Est-ce que je la prends?